J'avais à peu près 30 ans et mes parents ont eu la gentillesse de dire on va tous partir en famille, découvrir le pays où on est né. On est en Tunisie. Et donc on est parti en famille avec ma sœur, avec mon beau-frère. Je n'avais pas encore de nièce à l'époque. Et on a découvert ce pays. Alors je rassure tout le monde, mes vacances se sont très bien passées. Au milieu, je n'ai pas découvert que ma mère était mourante ou voulait quitter mon père. Mais je suis revenu avec plein de petites anecdotes, effectivement. À la descente de l'avion, mon père a essayé de me refiler de l'argent de poche en me disant « au cas où ». A priori, à 30 ans, avec une carte bleue, on doit pouvoir se débrouiller. Et c'était pas tellement… Ça m'a surtout fait me dire, quel que soit l'âge qu'on a, on sera toujours des enfants pour nos parents. Donc, toutes ces petites anecdotes très tendres, etc. Je suis rentré, j'en ai parlé à un ami producteur, Anthony Lancré, pour lequel c'est le premier film et qui fait beaucoup de télévision, HPI, ou c'est qui, etc. L'un des trois producteurs, Anthony Lancré, avec Clément Miseret et Mathieu Warter de chez Radar. Et donc je raconte ça à Anthony, au bout de 5 minutes, il me dit « C'est quoi, arrête de me raconter tes vacances et écris le film. » Et c'est parti comme ça. Alors après, évidemment, il a fallu densifier la dramaturgie, rajouter cette histoire de rupture, rajouter « Je n'ai jamais tenté de faire l'amour avec un chien », ce qui est aussi… Ce qui est faux. Mais continuons. Donc voilà, mais oui, ça part, c'est pas autobiographique, mais le bouillon dans lequel baigne ce scénario, c'est la tendresse que j'ai pour ma famille, les très nombreuses vacances en famille, oui. Et la nostalgie, oui, parce qu'on me dit « Ah oui, le personnage du père qui classe les photos, c'est votre père. » Bah, malheureusement, c'est pas mon père, c'est moi aussi. Hein. Je suis extrêmement obsessionnel de photos, je les classe. Il y a même un voyage, il y a une dizaine d'années que j'ai fait au Japon, où le matin, je prenais des photos et l'après-midi, je les classais. Donc je rentrais à l'hôtel, j'ai classé mes photos, je me suis dit « Ouais, là, c'est peut-être un peu dommage. » Donc il a fallu que j'arrête avec tout ça. Il y a un côté un peu… vous savez, le mythe de Narcisse qui se regarde dans le lac pour se contempler, qui finit par tomber dedans. Les photos, c'est un peu ça. À force de plonger dans les souvenirs, on peut se noyer. À force de se regarder sur les photos, on finit par se noyer en disant « Oh, j'étais plus jeune, j'étais plus beau, j'avais plus de cheveux, tout était bien, j'étais souriant. » Et on se dit « Bah, en fait, si je regarde les albums photos, tout était mieux avant. » Mais c'est des mensonges, toutes ces photos. On sourit pour la photo, mais il n'y a que pour la photo qu'on sourit. Et le reste du temps, on n'était pas aussi joyeux. On s'engueulait avant, on s'engueulait après. Donc, c'est bien les albums photos, c'est bien les photos, mais il ne faut pas être esclave et il ne faut pas être dupe de ce mensonge-là. Le meilleur moment, c'est le présent, et surtout, le meilleur souvenir, ça doit rester le prochain. Ah bah, ce qui fout les boules, c'est très simple, c'est que vous êtes le patron et vous êtes celui qui a le moins d'expérience. Vous avez Pascal Arbillot, Jacques Gamblin, Pablo, Agnès, Ludovic, vous avez... Philippe Guilbert, votre chef op, César Chabrol, votre premier assistant, Jérémy Duchier, qui a eu un Oscar pour la déco. Vous avez que des très grands pros, que des génies, et puis c'est vous le boss, et vous avez fait rien. Donc, je dois avouer que les 4 heures qui ont précédé le premier action, je me suis réveillé assez tôt, ce jour-là, c'était le 13 juillet, si je ne me trompe pas. J'avais très peur. Vous ne savez pas ce qui va se passer avant. Moi, ma seule façon de faire, c'est parce que j'ai un passé de bachoteur, parce que j'étais ingénieur avant, j'ai bachoté pendant 3 mois. J'ai révisé, j'ai préparé au maximum, tout en sachant que, déjà, on ne pouvait pas tout prévoir, et que deux, préparer et avoir un scénario solide, c'est le meilleur moyen de faire un film de scénariste. C'est-à-dire, vous arrivez, vous filmez votre scénario, vous partez à la maison, et puis vous avez fait un film qui est un peu nul et un peu plat. Et ce n'est pas du cinéma. Donc, je savais que j'étais prêt. Mais je savais qu'il y aurait de l'imprévu, mais il faut oublier tout ça au premier action, et j'ai réussi un peu à l'oublier grâce à tous ces gens dont je vous ai parlé. Pendant les premières semaines, mon seul talent, ça a été d'utiliser celui des autres, et il n'y avait qu'une chose, je crois que les gens ont su, ont senti à quel point ce film était important pour moi. Ouais. J'ai mis 11 ans à le faire, donc ça veut dire que le prochain sort en 2033, soyez prêts. Il n'y a pas de mystère. Cette histoire était importante, non pas encore une fois parce qu'elle est autobiographique, mais parce qu'elle parle de choses qui me sont très chères. Mmh. Ce n'est pas un mystère non plus que de dire qu'il m'est arrivé une ou deux fois de pleurer au combo, parce que les émotions qui se dégageaient de ce que donnaient les comédiens étaient très, trop fortes pour moi. Donc j'ai réussi à embarquer cette équipe-là. Mais oui, on a peur. Mais cette peur, elle disparaît jamais complètement, mais elle est noyée dans tant de professionnalisme, de bienveillance, et surtout, tous les soirs, vous regardez vos rushs et vous dites « j'ai l'impression que ça marche ». Ces scènes ont longtemps été un rêve pour moi,
et en une journée je les ai transformés en souvenirs. C'est ça le cinéma, hein. C'est transformer des rêves en souvenirs, et c'est des bons souvenirs, et j'ai l'impression que je suis en train de faire à peu près le film que je voulais faire. Jusqu'au dernier jour, il faut tenir. C'est de faire du cinéma. Ouais. Le rire ou les larmes, c'est la même chose. C'est compliqué. Après, il y a une chose qui ne trompe pas dans la comédie, c'est que quand vous êtes au fond de la salle, en tant que réalisateur, et que vous regardez un drame, s'il n'y a pas un bruit, vous ne savez pas si les gens sont émus ou s'ils s'emmerdent. Absolument. Par contre, pour une comédie, c'est implacable. Vous êtes au fond, vous attendez votre vanne, elle vient, personne ne se marre, là vous dites, elle est ratée. Là-dessus, il n'y a pas tellement de doute. Il n'y en a pas un qui est plus dur que l'autre, mais il y en a un, quand vous vous êtes planté, alors vous en êtes sûr. Et alors, quand la salle rigole, là, vous êtes très très heureux. C'est Alpe d'Huez, du coup. Ah, la projection de l'Alpe d'Huez, on était avec Pascal. Pas que, parce qu'on est à notre 13e ou 14e avant-première, mais c'est vrai qu'il y avait une magie à la projo de l'Alpe d'Huez. On était comme ça. J'avais Agnès à gauche, Pascal à droite. Malheureusement, Pablo n'était pas là, mais il était avec nous sur l'écran, et Jacques et Ludo aussi. Et puis on fait ça. Mais première fois qu'on voyait le film en public. Donc là, vous ne savez pas. L'Alpe d'Huez, c'est vrai que c'est stressant parce qu'il y a à la fois des professionnels et puis des Isérois, un public très averti parce que c'est des gens qui ont vu 10 comédies dans la semaine qui vient de s'écouler. Ils en ont vu des très bonnes. Ils ont vu le film de Jérôme Commandeur avec Pascal aussi. Donc c'est un très bon film. Donc ils savent ce qu'ils regardent. Vous vous asseyez, la lumière s'éteint. En plus, moi, 5 ans avant, j'étais à l'Alpe d'Huez avec mon court-métrage, comme un petit schtroumpf avec mon producteur Anthony, en disant « un jour, on reviendra avec le long ». Donc, la lumière s'éteint et vous dites « bon, allez, c'est maintenant ». Et il y a tout à coup, on se regarde beaucoup avec Agnès et Pascal pendant un projet, on sent qu'il se passe un truc. Mais dès le début, les 5 premières minutes, c'est incroyable. Ça rit, et puis le plus beau moment, effectivement ça rit, puis un moment un peu d'émotion fort que je ne vais pas dévoiler, mais dans les 20 dernières minutes, et j'ai entendu la salle faire « oh ». Et alors ça, en fait, c'est fou parce que là-bas, on a compris que le film, il parle à toutes les générations, que tu sois parent ou enfant, que t'aies échoué dans ton couple ou pas, que t'aies refait ta vie ou pas. Il y a un truc où il nous laissait pas sortir de la salle. Il nous disait vraiment, je suis avec mon mari depuis 34 ans, c'est exactement mon histoire avec mon enfant ou c'était mon histoire avec mes parents. Enfin, en fait, ce qui est beau, je trouve, et c'est pour ça que c'est pas juste une comédie, ou c'est qu'il y a un truc... comme les films quand on était petit, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui parle à tout le monde et où tu nages dans plein d'émotions à travers le film. Ça peut être un film c'est assez mélancolique, quoi. C'est régulièrement. Oui, ça peut être un film qu'on revoit régulièrement. C'est la première fois que je veux revoir un film, le revoir. Alors, quand on est dedans, en plus, on n'a pas tellement envie, c'est bon. Bah là, j'ai l'impression que ça va me faire du bien. J'ai envie de le montrer à mon fils, à mes parents. Voilà, ça peut venir une petite madeleine. Ouais. On est les moins chers. Ça n'a pas été un choix. Des amateurs. J'avais envie de leur donner leur chance à tous. Non. Écoutez, la famille, elle s'est construite autour de ce couple. Il y a eu Jacques et il y a eu Pascal. Et c'est vrai qu'ils ont des dynamiques, y compris des dynamiques de jeu, très différentes. Et c'est ça qui me plaisait. C'est ça qui me plaisait parce qu'il y a beaucoup de retournements. C'est un peu les montagnes russes, ce film. Et il y a un moment où c'est le mari qui prend le lead, et puis il y a un autre moment où c'est la femme, la situation se retourne, la femme prend le lead, et ça m'intéressait parce qu'il y avait vraiment deux dynamiques et quasiment deux techniques de jeu qui étaient très différentes, et pourtant, à l'écran, ça fonctionne, et on croit à ce couple. Après, une fois qu'on a des parents, on se dit, il faut trouver des enfants qui leur ressemblent. Et ça, je m'en foutais, mais alors, complètement, je me suis dit, je veux juste trouver les meilleurs comédiens possibles, et ceux qui vont le mieux incarner ces personnages, c'est-à-dire Antoine, le fils, un peu chien fou, mais extrêmement attendrissant. Il y a ce côté-là, extrêmement touchant. Et puis pareil, la fille un peu comme ça, raide, mais qui va complètement se libérer, parce que les deux, finalement, pendant ce voyage en Grèce, ils vont faire leur crise d'adolescence. Donc, et puis il y a eu Pablo et Agnès. Et puis une fois qu'on a une famille, faut trouver celui qui n'en est pas. Et celui qui n'en est pas, l'outsider, le mouton noir, c'est Ludovic. Alors on me dit souvent, qu'est-ce qui vous a pris de prendre un youtubeur? Pour moi, Ludovic, c'est pas du tout un youtubeur, c'est un comédien, c'est un très grand comédien. Et il arrive sur un rôle qui n'est pas évident, qui est le rôle du beau-frère, du beauf, littéralement.
du soyons honnêtes, du casse-bonbon, de l'intrus, a créé une partition extrêmement touchante. Et surtout, ce qui me plaît, c'est que c'est celui qui n'est pas dans la famille qui a la clé pour que la famille se réconcilie. Donc une fois que j'avais ces 5-là, je les aurais emmenés au bout du monde. On est allé jusqu'en Grèce, mais on ne sait pas où tout ça nous emmènera pour la suite. Moi, j'en recevais pas énormément non plus. Je démarrais et ce que je lisais, bah, c'est vrai, c'était quand t'es une fille de à peu près 30 ans en France, les comédies, c'est quand même pas génial, les personnages et les trajectoires de personnages féminins. Et donc en fait, là, j'étais quand même dingue en fait. Je l'ai lu d'une traite, c'était pendant le premier confinement, et j'ai appelé mon agent, j'ai dit je ne peux pas passer à côté de ce truc, c'est pas possible. Mais même au-delà juste du personnage de Karine, qu'on a appelé Karim pendant 3 mois, il y a vraiment un... Enfin, en fait, quand les situations elles sont aussi bien écrites et quand tu sais que c'est hyper rythmé et que ça raconte quelque chose derrière, il y a un discours sur ce que c'est que le couple, l'amour, la famille, et qu'en plus c'est drôle, tu peux pas passer à côté. Et donc en plus, quand t'es une fille et que souvent ce que tu lis, soit t'es nymphomane, soit t'es avocate nymphomane, là j'étais avocate, là, rigide, j'étais ravie. Non, c'est super, moi mon personnage il a un truc, il y avait tellement de trucs à jouer différents parce qu'elle part d'un endroit très strict tiré et elle va vers un endroit plus... Elle a grandi quoi, elle s'est confrontée à son père, ses schémas, elle, sa rigidité, sa tendresse pour son frère et donc moi j'adore ça. C'était après le confinement, tout ça, ouais. Donc j'ai quand même très envie de jouer. J'ai refusé beaucoup de comédies, on m'envoyait beaucoup de comédies que je mettais ça un petit peu dans des cases de comédies à sketch, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Et j'ai besoin juste que le personnage me parle, que le réel m'excite artistiquement. Et que le casting aussi m'attire. Donc là, il y avait un petit peu tout qui était réuni. Il fallait que je rencontre François, on s'est vu. Et ça s'est fait extrêmement rapidement, d'ailleurs, je crois. C'était aux essayages costumes un peu avant. Quelle chance au bureau, tu as eu. Ouais, mais bon, après, on n'a pas les mêmes années, tu vois, de boulot. Mais je fonctionne vachement à l'instinct. Il ne faut pas que ça prenne trop longtemps. Si je me pose trop de questions... Je pense qu'au final, je vais dire non. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et là, il n'y avait pas de grand doute. Donc, je cherchais plus des choses négatives à l'issue du scénario, de ma lecture, que de m'auto-confirmer qu'il faut aller faire ça parce qu'il y a peut-être ci, il y a peut-être ça. Qu'est-ce qui peut me faire chier là-dedans? Pas grand-chose. Ok, je vous rencontre. Et puis, il y a quand même des acteurs que moi, j'admire beaucoup. Mmh. Vas-y, j'y vais. Et on va essayer. Et j'ai un bon pif parce que le film est vachement bien. Mais je ne me pose pas tant de questions que ça. La Grèce, par contre, pour vous contrer, pas du tout. Moi, c'est un enfer pour moi, la Grèce. Il fait chaud, il y a trop de soleil, c'est un enfer, que ce soit Roubaix ou la Grèce. Les scènes de plage, il fallait mettre une couverture de survie entre les prises. Non, mais c'est vrai, c'est très vrai. Et puis on fait un film, quoi, on a un film à faire. Et tout ce qui compte, tout ce qui prime, c'est le film. Et si le film peut être beau, bah, nous, on est au service du film. Et il faut qu'on essaye des choses. Et on y va, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser si ça te parle. Mais c'est un truc en toi qui te dit, ouais, vas-y, moi j'y vais. Déjà, quand t'es ému au scénario, à la lecture, c'est rare. C'est très bon signe d'être ému quand tu lis un texte.